C'est moi, mais c'est ma mère. Et ma mère. Eh, ça va pas. Elle est frais, ton appart, frère. T'inquiète. Ah, t'as un petit micro, non, regarde, comment... tu le ah, ouais. Écoute ça, ma mère. Ah, dis ça. Ah, t'as dit ça. Le pisser dans l'évier, ça dérange un peu d'eau. Ah, vas-y, pisse dans l'évier, gros, bah des couilles. Tu le sais, mon zin, tu le sais. Il y a gros stress de cette année. Sérieux, comme la graisse, ma mère. En fait, Rico, il était en garde à main. Ah, ouais, gros. Et, salut, c'est mon frère. Salut, c'est mon frère. Ils m'ont fait tes papiers. Je lui suis dit, ouais, papier, mon gars. J'ai que des slips, moi. Ouais, que des slips. Ils m'ont dit, viens là et tout. Ils m'ont plaqué contre ta voiture et tout. Je fais, ma mère. Ah, même là. Hein, il roule plus dans ma mère. Ah, ma mère, on est là. Ah, mais non, mais t'as une petite cachette et tout. Ah, ma mère, j'ai même pas comment t'es. Quoi? Je crois qu'il y a Tony qui est dehors, attends. Il y a Tony là qui est là. De l'autre côté, mon frère. Est-ce que tu veux what? Quoi, il y a Tony en thread. Tu veux what? Tu veux de la coke? Des grammes de coke? Il y a Tony en vrai? Vas-y, je t'envoie demain, demain. Regarde, mon gars. Regarde, mon gars. Non, mais je suis dead suite, demain. Regarde-toi, là. Ah, ouais, des canettes. T'as niqué ma mère. Ah, on est sans blague. Allez, vas-y. Ma mère, big up à tous les SRAB, on est là. On les était beaucoup à me demander comment on fait du sale les SRAB. Mais on est là, on a dit avec Rico, on va faire un petit tuto pour vous expliquer un peu comment on fait du sale, mon pote. Alors Rico, on dit la première étape. C'est très très simple. Il suffit de prendre sur ce genre de truc et tu te fais une grosse race de con. Toi là-bas là. T'as la cam, négro? Ouais, j'ai la cam, ouais. Ouais, j'ai la cam. Ouais. Ah, dis sale, bah viens me filmer les couilles alors, viens. Viens, mon frère, viens filmer les couilles, vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, du rythme, allez, allez, allez. On est là, allez, ouais. Attendez, attendez, je prends un petit selfie avec votre bite là. Ah, j'adore. N'hésite pas à mettre le flash. Hop, comme ça, tu me la poses sur le front un petit peu là. Sale, ma mère. C'est parfait. Attends, je vais te la mettre en I, ma mère. Attends, je la mets en I là. Oh, tes mains quand je la stick, comme ça, elle fait des trucs chelous un peu. Oh là là, j'ai envoyé ça à ma daronne là. Elle va adorer, elle adore les vites. Elle est fan de Zizi depuis le plus jeune âge. Hein. Ah, très, ça très te plaît, ma mère. Ah, vas-y, on fait un gros court-métrage, ma mère, ça part à Cannes ça. Ah, t'inquiète, je vais faire l'amour à la caméra, ma mère. Tu connais. Tu peux repisser dans l'évier, s'il te plaît. Vas-y, gros. Ce genre de pilon garni, mon gars. Tu vas te reprendre un doux projet, là, ma mère, là. Ah, gars, j'ai roulé ce genre de pilon, ma mère. En scred, les frères. Les martiens existent. Jure-le, on non, les non, a non, vu, vrai, ma non, mais en vrai, non, mais y en a beaucoup. Y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas vrai. C'est plus vu que toi, non, mais tu sais, Rico, il a vu 3 fois, moi, j'ai vu 2 fois, les frères. Ouais, mon gars. C'est chelou parce que quand tu te réveilles le lendemain. En fait, dans mon esprit, c'est comme si j'avais juste mangé un grec, t'as vu. Mais je pense que c'est eux qui trafiquent les trucs, les bandes dans ma tête, les images de ma mémoire un peu. Comme dans le film avec le quebla là, qui fait les comme ça, et ils oublient la mémoire là. Oui, c'est Marc Lavoine, le quebla. Ouais, c'est lui, je crois c'est lui aussi. T'es là avec, je sais pas, des martiens et tout, c'est un délire spécial, mon frère, parce que eux aussi, ils filment du teuteu, ma mère. Parce qu'il y a des meufs aussi là-haut, mon frère. Et dis-toi, là-bas, ils ont pas de sexe à moitié, c'est des trucs chelous, c'est des trucs en fait, ça s'emboîte, c'est comme des Legos. Et c'est pas que dans les dessins animés, ils sont vraiment verts, les frères. Ils ont des soucoupes, mon pote. Mais tu n'es ma mère, mais t'es pas prêt. J'avais fait un petit tour en scred avec Rico, c'était du très 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 sale, ma mère, en scred, mais peu ça. Tiens, les beurres italiennes, parlons-en, mon gars, des beurres italiennes, mon gars. On est là, né pour faire du sale, ma mère. Quand j'étais petit, la prof de français, elle m'a dit, « qu'est-ce que tu veux faire, Lolo, plus tard ?» Je lui ai dit que plus tard, je voulais faire du sale, ma mère. J'ai fait qu'un seul CD, mon pote. J'ai gravé un CD de Empereur du Sale. Mon seul CD, ma mère, et il n'y aura qu'un exemplaire. C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai fait quelques dédits et tout. Je l'ai mis en enchères sur eBay. C'est parti en vrille direct. En quelques minutes, il y avait déjà des plusieurs milliers d'euros. Et là, la dernière enchère, mon pote, elle a 75 000 balles. 75 000 balles, mon pote. Tu crois que mon travail, il vaut aussi peu cher? Ma mère, je fais pas ça pour aller m'acheter des clopes le matin. Je suis là pour m'acheter des vrais bails. Donc si tu veux ça, ma mère, t'as intérêt à faire péter le million là. Ils sont où les Qataris? Ils sont où? Hein? Ce truc-là, il est collector, mon pote. Dans 10 ans, tu dis que t'as ça, tout le monde te suce la bite, mon pote. Comasse. Une association contre le sida, elle m'a fait « Oh, on a vu que t'avais de la thune, tu veux pas nous en donner ?» J'ai dit « Non, ils vont crever, ces bâtards !» Ah, folle. Ça, tu mets ça, t'ouvres ta portière comme ça dans ta caisse, t'es là, tu fais « Ah, c'est moi qui ai cédé, mon strab !» Je t'ai dessiné ce genre de teubi, ma mène. Ce genre de teubi en I. Et j'ai marqué, si tu sais pas, j'ai marqué « teubi en I » avec une flèche, pour ceux qui n'ont pas deviné que c'était une teubi en I, mon strab.
Nikayam, tous ces disques d'or, je fais disque d'or avec un CD, ma mène. Un CD, je fais disque d'or, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? T'es ma ton CD, ah, il est comme as ton CD, je me le fous. Tant que t'as le sif, mon pote, regarde, il a frotté ma bite. J'espère que pour ça, elle vaudra deux fois plus cher, ma mène, parce que le gag de l'empereur, c'est ce genre de bar. Tu es arrivé il y a 2 mois dans le business, mon pote. Il y a 2 mois, j'existais même pas dans le rap, maintenant je suis là, je vends des CD à 75 000 boules. Qu'ils aillent tous se faire enculer, ma mène. On n'est pas là pour déconner. Là, je finis ça et je me barre aux Bahamas avec Rico, mon srab. Ce genre de petit cocktail coconuts. T'es sale. T'es très très sale, ma mène. À Lille, on fait un peu de sale. Tu veux une petite info qu'on a de famille, mon gars, t'inquiète. Et on cherche des bons petits srab à Lille s'ils veulent tirer sur ce genre de vélo qu'elle est. Attends. Et t'es qui? Et t'es qui, toi, là-bas, là? Je fais pas caca. Mais non, tu fais pas caca, toi. Et tu t'appelles comment? Jojo. Jojo? Eh, t'as dit de tirer sur ce genre de truc, ma mère? Non, moi, ah, si. Non. Eh, des étoiles plein les yeux, ma mère. Mais c'est très très bon. Mais sérieux, Rico, vas-y, t'inquiète. Mais sérieux. Elle va dire non. Vas-y, ma mère, ferme les yeux. T'inquiète. La bouche en haut, ma mère. Et dis pas, vas-y, bien oui, ma mère, t'inquiète pas. Aspire. Ah, là, du sale, mon gars. Ma mère. Elle éclate, l'autre, là, mon gars. Il est bon, Regarde. Vas-y. Écoute-moi. Eh, t'es sérieux, là? Tu veux tirer notre ta famille? C'est du sale! Ah, c'est du sale, t'as vraiment cœur! C'est du sale! Ah, ah, c'est quoi, c'est des bêtes, t'as trouvé, c'est quoi, c'est quoi? Eh, tu vomis, Jojo! Mangez mon caca! Eh, mais mec! Eh, mais t'as, tu t'es endormi sur le pilon, Jojo, à moitié! Mon camulé de la paix! Eh, Jojo! Ah, t'inquiète, ma mère! On y va, là, vas-y! Ce genre de doux breuvagement sera apte, tu connais! N'hésite pas à en boire beaucoup, hein! Tu sais que ça rend tout ça. Tu vas pécho de la toute belle. Est-ce qu'elle est de rire, etc. On t'emmène, on va faire du sale. On appuie sur le bord. On va faire du sale. Attends, on va faire du sale. Non, pour les sales, j'attends. C'est ça. J'ai pas vomi depuis 3 minutes. Ma mère, Jojo, t'es pas bien là, on se crée de là, mon gars. Ah, ce genre de grec épicé, ma mène, t'as pris son samouraï algérien, toi, ce genre de désert, ma mène. Ils ont supprimé l'annonce, ma mène, mais ils sont pris pour qui, mon srab? Avec Rico, on nous voyait déjà en train de brasser les billets comme ça. Ils ont supprimé l'annonce. Là, on s'est parti en vrille, mon pote. Ebay, faites pas trop les marioles. Parce que là, on a relancé l'annonce, mon pote. Viens par là, mon pote. Eh, regarde, ma mène. On a relancé l'annonce il y a à peu près 20 minutes, mon srab. Il y a déjà encore 50 000 boules, mon frère. Mais il y avait 75 000 boules, ma mène, à l'ancienne. Là, on était bien écrit qu'on avait cru qu'on allait se mettre d'où on allait partir aux Bahamas, mon srab. Ils ont supprimé l'annonce. Et là, ce que je te propose, du coup, ma mène, c'est que s'il y a 100 000, ma mène, on débarque chez Watt te livrer en main propre, mon srab. On débarque peut-être en hélico avec des beurrettes, du chichon, du pilon, tout ce que tu veux, ma mène. On vient faire du sale. Et on sera pas là pour déconner, ok? Nous, quand on vient, c'est pour faire du leçon, mon pote. On n'est pas là en mode, ah, elle m'appelle Rof. Non. C'est pas ça la vraie life, mon pote. Moi, je suis là, un CD, un disque d'or. J'ai pas 10 000 slogans, ma mène. Tous les rageux qui sont en train de dire, ouais, Lorenzo, il a trafiqué les enchères. Allez, bien vous la mettre profond comme ça, tu te l'enfiles et tu fais la toupie avec, mon srab.